Ça va être bien. Bonjour Crémon, bonjour à vous tous. Vous allez bien? Vous avez passé un bon début de journée? Vous faites quoi? Vous êtes au télétravail? Vous êtes en train de game? Vous attendez un colis? Vous avez les sapeurs-pompiers sur votre place? Ils sont en train de Omega chill? Ouais, c'est ce qui se passe, moi, pour moi. Ils étaient en train de discuter. Je sais pas pourquoi. Il y avait un camion de pompiers sur ma place. Et il y avait le pompier qui était en train de chill. Et il discutait avec une personne aux alentours. Mais tranquillement. Donc bon, bah, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose qui se passait. Ou peut-être qu'il était juste avec son camion de service. Voilà, pour faire la petite tournée. Pause déj avant la reprise de 14h. Je fais du poney avec Brigitte Bardot. Sous un télécopieur. Kaboulox. Ah bah tout le monde n'aura pas la ref. En train de chill au taf. Les plus vieux l'auront. Les plus jeunes non. Malheureusement. Qu'est-ce que c'était bien comme humour. Et donc KDO dans cette époque-là. De la grosse comédie, la grosse émission. Sur Comédie. La chaîne. Ah, je me rappelle de ça, c'était incroyable. Les Robin des Bois, cette époque-là, avec KDO. Il y avait eu... C'était qui? C'est Ber qui avait été là, là-bas aussi. Alors, déjà, évidemment, mais... Je crois que Ber avait présenté. Bon, bref. C'était une sacrée époque. Hein? Comme celle de Canal. Avec les putes et la coke. Bon, on se met sur le café? Je pense. C'est deux pour une luxe, moi j'adore. Oh. C'est deux pour la luxe. Le fait qu'on va pas avoir besoin de partir sur un bat, comme d'habitude. On va pouvoir travailler Ikanda, donc poser nos Ikanda directement dans la game. On va avoir aussi la possibilité donc de partir sur nos éléments de sim le plus rapidement, de pas sortir un bat, de faire nos monuments d'abord, de ne pas avoir le minus activité, donc le petit chapiteau rouge. On va pouvoir faire le négociant, et après tout ça on fera notre petit bat si le bat est pas intéressant pour aller aménager notre land et que notre land ait plus de production en early. Alors comment faire? C'est quoi le cas? C'est genre un bon panthéon avec de l'itération bonus qui se multiplie, qui se répète sur votre land. Un death des artisans avec des chevaux, par exemple. Ah, ça, c'est bien, ça. Tous les jours, open quête que l'on trust. Ah, je suis d'accord avec toi. Avec le point de culture, je me demande même si je pars pas 5 colons avec B1, B2 et avec négociant sur B2. Négociant B2, premier empire, et tu lâches B2, colon aussi. Donc c'est bien tout ça. Il nous faudrait plus qu'un petit camp barbare pour avoir travaillé du bronze. Et après on est Gucci quoi. Ikunda 2, Atco direct de discount. Alors ouais, c'est vrai que avec le Zulu, si on veut partir vraiment sur du ultra sim, on va bien aimer. Oh, je suis sur une rivière créée maintenant. Ici quoi, Siwani CPA. On va avoir la possibilité de partir sur donc de la plateforme commerciale très rapidement. Sur la majorité des cives, on va quand même faire son discount de campus avant. Sur le Zulu, on va beaucoup aimer quand même partir plateforme commerciale après ses Ikanda, son opening Ikanda. Et en partant 4 Ikanda, c'est un peu le même délire qu'avec les arbores, avec les cives navales. On part 4 arbores pour pouvoir skip un petit peu le lieu sain. Voilà, 4 arbores discount avec une Victoria. Hop, et on part sur campus ou theater, dépendant des Victoria qu'on joue. Et donc avec le Zulu, c'est un peu pareil. On peut partir 4 colons et faire 4 Ikanda into plateforme commerciale. Là, avec le spawn qu'on a, avec le petit point de culture, je réfléchis à un truc un peu plus léché avec Premier Empire. Pour l'instant, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire, à part ce que je vous ai dit avec le négociant dans la B2, Premier Empire, lâché avec la carte colon B1, B2. C'est la rivière où il y a le Kilowak qui ziwagne. Ok. Ça ressemblait un peu au cri quand même. Alors là, on y va rapidement. Eh, c'est vachement plat cette map là. C'est vachement plat comme map. Quand même. On est en 5-3. Ouais, on a le petit panel au-dessus. On a la food prod au-dessus. Bonjour, Fenafenello. I hope you're well. Merci Danatos pour ton prime, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Tu veux que je te fasse une petite danse de remerciement? Une danse Zulu? Le Zul? Le Z? C'est le Z.
On joue le... Le 10? Le 10? Allez, on va aller vers là. Du coup, hein, c'est la hutte qui décide un peu de notre déplacement. On va switcher, on va aller de l'autre côté de la rivière. Ok. Oui, allez. La danse du Z. Oui, j'ai mon rêve. Je connais pas. Ça, c'est lourd, ça. Ah, il est pas loin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est long, ça. On va pouvoir passer le level 1. Ok, commerce à l'étranger, on va pouvoir donc faire sa route directement sur la B2. Est-ce qu'on pourrait se faire monument directement dans Ulundi? Non, je pense pas. Il y a déjà eu deux luttes, hein, là, en vrai. Et bim, la petite 2-3. On va scouter autour ici. That fisher I need. Ok. Je comprends, hein. Je vais me settle un peu plus loin. Peut-être sur le marécage. On gumball la rivière de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas avoir vraiment beaucoup moins bien. Le seul point positif, c'est que j'ai des 2-2 autour de ce settle-là. Mais sinon, c'est long comme settle. Donc on va aller gumball l'autre. Ça doit être du fer. The fuck les huttes. Ah mais il doit être en 1.75. Ah oui c'est ça putain. Putain c'est ça en fait. Alors on a du sel ici. Je vois il y a une rivière là. 1, 2... On pourrait aller vers les parages, mais c'est loin. On s'approche tranquillement des deux, hein. Zzzz. 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 Pourquoi je fais un GPT de plus, là? Est-ce que je travaille? Ok. Pourquoi je fais 6 GPT? Je fais pas 5 GPT normalement. Le jeu il a changé. La carte de foi, la carte de foi, la carte de foi. C'est une colonie religieuse qui part? Comment ça?
Allez, colonie religieuse. Les deux setups sont pareils. On laisse foutre là. Land est pas terrible, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais faire un Magnus interne Yang. Ok, il y a le Mont-Cervin ici. Et on va aller travailler son fer, j'imagine. Bonjour Gara, bonjour Moses. On voit rien, je repars vers là. Ouais, je repars vers la toundra. Je me mets où? Je me mets. 2-2, je vais récupérer la 2-2-1 là. Je pense, hein. Ou alors la 3-0. 3-0, c'est loin, Enfin, lui il va avoir d'autres cultures. Qu'est-ce qu'il fout? Allez, on part travailler du bronze. On est à 11 sur 19 au niveau du score. Ça ira, ça sera pas un problème. Travailler du bronze, c'est long, hein. Pour 15. 16, je vais me settle. Ça va être bien quand même. Putain, il était là. Il fait trop chier de pas me l'avoir dit. Devoir remonter. On essaie de le niquer ici. Donc on prend la promotion pour les forêts ici. Merveille infranchissable d'une case, culture plus 1 pour les cases adjacentes. Les unités militaires qui s'y rendent à pied du Cervin ne subissent plus de malus de déplacement dans les collines. Ah, intéressant ça quand même avec ma petite civilisation. Ouais. La première empire en 10 là. Sûr qu'il va y avoir un fer ici. Il va y avoir ça. Et ici, on va se faire le négo direct, je pense. On a deux points de culture supplémentaires. Il y en a des Wonders. Hein. C'est dingue. L'autre, il a 32 de score. Je vais même pas savoir pourquoi. On va se mettre sur le marécage, hein.
Je vais retourner vers là. Avec lui, en vrai. Est-ce qu'il y a une hutte dans le coin? Ah, une autre unité pour aller scouter. Ça pourrait être intéressant en vrai. 4 tours pour le prochain colon. Il va sortir tour 21. Ça, c'est une belle tempo de colon. Là, je suis d'accord par rapport à ça. Artisanat, il me faudrait les chevaux derrière, je pense. On pourrait le boost, à mon avis. Bon, il n'y a que cette mine. Hein. One délègue, il demande le mec. Deux tours pour premier empire. On a donc le switch prochain, après avoir mis un petit tour dans artisanat. Là on va se mettre sur le cervidé, on va attendre l'élevage et on va faire un des deux chevaux, qui est à côté. 4, c'est bien en termes de culture ça déjà. Il va falloir des cases. Petit peu pour mes Zikanda. Ah, une cité-état par contre, hein. Je voudrais bien mettre mon campement ici en vrai. Deux tours. On met un là comme ça. Je voudrais bien mettre poterie. Deux tours en fait. Je vais faire ça. On a 3 cafés, 3 plantations à travailler, on va partir plantation derrière. On finira son incandina un peu plus tard. Artemis fini. Sur 19. Ok. Ouais, poterie pour pouvoir placer sur mes maïs, en fait. Beaucoup de maïs à la con en plus. Étincelle divine. Est-ce que je me ferai une ferme pour artisanat? Je pense pas. Ah, j'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié ça. On va commencer par un Magnus. On va la mettre sur Bulawayo. Désolé pour le nom de ville. Ok. Est-ce qu'on fait des Zikanda? Pas, hein.
Ah là, je suis parti sur ça alors que je voulais irrigue. Hein. On est tour 22. What the fuck? On a remis 3 battes. Alors là, je pense qu'on va... Ouais. Les 3 battes me dérangent là. Je pourrais mettre le plus 30% pour les battes, mais après, un euro national, il sera un peu plus long à aller chercher parce que je suis un peu low culture. Parce que j'ai fait 3 battes. C'est 40 gold pour pouvoir récupérer ça. Et élevage qui vient de sortir. J'ai pas très très bien joué sur mes techs. Ah, y a pas de chevaux ici. Marrant. Donc, 7 tours manœuvre nationale. Une petite unité de reconnaissance qu'on va envoyer sur le mont Cervin directement. On va redescendre ici. On va partir irrigue enfin. Ouais. Pas très bien joué Gaston. On va faire un monument Ikanda. Monument Ikanda dans les autres aussi. Ah, une cité-état peut-être en bas là. Enfin. Une petite crue supplémentaire, ça nous mettrait bien ici. On va se mettre sur une ressource de luxe. On descend un petit peu ici. Première cité-état. Deux tours, deux tours. Ici, ça sera bon. On va loquer le cheval. On va aller le travailler. Ici, on pourrait aller récupérer ça. Mais je dois bien faire ça, ça. Ok. Là, je vais me faire ça. Là, je voudrais bien me faire coton derrière. Et j'aurai des battes qui serviront pas à grand chose. Ouais, je pense que mes 3 battes étaient pas bons là. Je joue sur projet classique. Bonus à Civ, j'ai un Ikanda, donc un campement, qui va me coûter moins de production. Et je vais avoir sur un timing mercenaire les 2 étoiles plutôt que les autres. Sur le timing des 2 étoiles, je vais avoir les 3 étoiles avant les autres. Et j'ai un petit bonus de force militaire en plus. J'espère que je vais pouvoir sortir ce bat là. Pas sûr avec l'autre qui sort. Okay. Bah, l'autre ne sort pas. Là par contre. Allez, bam.
On va commencer directement avec les candas. Un petit Cardiff. Ne me mettrait pas trop mal quand même d'aller travailler le maïs. Ouais, on va aller travailler le maïs, ça va nous accélérer un petit peu. Manœuvre nationale qui va arriver. Tranquillement. On est en plus 2 d'activité. Et on vient de récupérer grenade aussi. C'est bien ça. 29 de prod. 29 de prod. 29 de prod tour 25. Tif bagarre. Y'a De Gaulle, non? Non, pourquoi il y a De Gaulle? On partir sur Magnus interne, into Liang. J'espère que je vais avoir plan d'irrigation. Avec ça, non. Ok. On va continuer vers la Toundra, peut-être qu'il y aura une autre hutte. Main d'œuvre nationale. Malheureusement, je peux pas le one turn. Vraiment chiant. J'aurais pu te chop ça. Pas voulu. À 2 tours pour Ikanda aussi. On est en 5 tours, donc on va commencer monument plutôt. Prochain tour, on va pouvoir aménager le petit cheval. Rostampo, Ikanda au moins, un tour. 28 Ikanda, c'est bien l'aide quand même. Mais pourquoi avoir Ikanda avant? Pourquoi? Joseph! Tu veux juste avoir Ikanda pour ton PN Brush. Moi c'est... je vais jouer comme ça hein. Je vais jouer comme ça la cive les gars. Non je go pas caserne direct. Pas dans cette situation. On va PN Brush et peut-être Exode derrière. Il est Omega Box. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Pas grand chose à faire. Peut-être ça chope le marécage. Là j'ai cette Ring 3 qui me va bien. J'aime bien voir Kazento, après chacun son délire. Je vais faire mes casernes avec PN Brush comme je le faisais avant sur formation militaire, avec le boost, etc. Et on va discount avant, on va essayer de discount plateforme commerciale, plus complexe de loisirs. On va voir comment ça se passe. On arrive à faire ça, on est très content. Je pense qu'on n'y arrivera pas dans ce game. Pas cette pop sera bien, normalement ce sera bien que je fais ce genre de choses. Là on n'y arrivera pas. On a 3 de pop ici, c'est chier. Faudrait qu'on achète l'un 3, mais j'aurais bien voulu acheter, je sais plus quoi. En 3 tours. Écoute, je vais attendre. Et je vais te prendre ça. Bonjour Mavala. Salut Métis. Bonjour.
Alors là, par contre, c'est vrai que la question peut se poser. Deux de prod, un de culture, deux de gold. On va quand même faire ça à la place. Ça va être sûrement un peu mieux. Est-ce que je le fais vraiment? Oh. Je voudrais ressortir plateforme code en 3. Et avec le monument, là, ça tombe bien. Avec le monument, ça tombe bien. Est-ce qu'on te chope une case? On a le mouton à les faire. Ah, j'ai oublié que c'est 3 là. Possible quand même. On va de l'autre côté. Il y a un général? Fuck. On est en 29. On va travailler un nouveau café. Ça me va au niveau des cases travaillées ici. Là par contre, t'abuses. On va prendre la science. Ça. On est en plus 5 d'activité. On est en 4 sur 6 au niveau des habitations. 3 sur 6 ici. Ok. On va déloc. La mer. La perse campement. Hey. Il y a déjà un général. Donc deux tournes du côté de plateforme co. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça ici. On va en mettre une là aussi. Là, on est en stack de prod. Et il me faudrait une troisième cité-état, ça serait pas mal ça pour avoir le Reka. Reka. Oh, le jardin sus là. Deux tours pour Philopo. Je pense que c'est un bat, il va commencer à chop. On vient de finir un campement, il va y en avoir un deuxième qui va se finir là. On commence à la caserne. J'ai un peu peur en fait que je me fasse niquer. Parce que celui-là était pas fini. Et on va commencer donc notre Liang. On commence ici en fait. Anan Goma. Et je voudrais bien lâcher un campus ici en vrai. Mais un bat surtout. J'aurai pas de mon discount prochain tour. Ça me fait chier, hein. Et si! Oh, c'est dingue. 31. On se met là, est-ce qu'il y a une autre ville? Ouais, parage, pas vraiment. Non. Non. 31 ici. On va commencer les chevaux. Bon, les formations militaires. Plus classique pour avoir de plus en plus d'habitations. Ça sera pas bon.
Et on va partir sur quoi? On va partir sur une ancestrale? Je pense que je pars sur une ancestrale là. Ah ouais. On entend bien. Je relâche un bat ancestral. On va mettre le bat vers là-bas. Le petit sucre pour pouvoir l'échanger. Nickel. J'ai plus le level 2. La promotion en plus, pardon. ...54 de prod. Pas mal cette cive, non? Vous pensez quoi? Là, on n'était pas terrible, vous avez dit. Vous avez dit ça direct hein, dans la game, je vous rappelle. Pour pas qu'il y ait de... Hein, vous allez dire, ah, le land, bite de chien. J'étais là, oh le land, bite de chien. Ça part, non, pas de backstab de Rome. Prophète, inspiration de tradition militaire. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc on va partir sur ça après. Ah! Ah oui, ça c'est ça que j'ai fait et qui était pas bon. On va se faire la plateforme commerciale derrière. On se fait un bat ou deux. Bien voulu en acheter un là. Peut-être avec le chop de ça, je peux acheter le bat là derrière. Là, je pourrais faire quelques aménagements qui pourraient être bons, mais bon. Au final, est-ce que j'ai pas que le sucre? Bam! Très dingue. Je me disais aussi, c'était bizarre que ce soit en deux. Ancestral. Marcher en 5, ça fait chier. Hein. On va passer dans la toune noire, on va voir qu'est-ce qui s'y cache. Et lui, marre des coups s'il veut se battre. Bâtisseur, coup d'achat des cases. Bâtisseur, coup d'achat des cases. J'ai rien à acheter, je crois. Hein. Peut-être celle-là, en vrai. J'en ai aucune à part le sel. Le sel peut être un bon bail. Hein. Ça nous garderait en plus 6 et c'est sûr et certain en plus 5 même, tu vois. J'ai pas de bat en prod. C'est un peu là où j'ai un problème. Faudrait que j'ai du bat sur les autres villes là. Ah, j'ai pas réussi à changer, putain. Ouais, il manque de bat pour pouvoir chop des trucs là. Beaucoup de bois, il faudrait que je le fasse. Mais j'ai voulu faire mon discount rapidement. Je pense pas que j'ai trop de temps. On n'a plus le coup d'achat des cases. On a matériaux renforcés pendant un petit peu de temps. Et stratégie dev derrière. On a cliqué sur une tech. C'est pour moi ça. Pas de first smith. Avant il y a juste. 68 de prod. Ah si, le bat était passé. J'ai double bat qui passe. Allez, on va faire ça. Les vétérans, ce prochain tour. On va donc changer notre carte. On va enlever les bats. Enlever les bats.
Ah, j'aurais bien voulu en avoir un, mais bon. On attendra Féo, hein. Non? Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 charges. Oh, c'est pas dingue. Et 2 charges, elle pourrait me faire le servidé. Ah oui, j'ai pas la promote. Allez! Bon, ça sonne. On va aller vers là. Ah, j'ai plus pensé à ça. Ah, l'avoue. Alors, on va enlever les colons, en fait. Ligue Diplo, là-haut. On va se mettre un petit coup de grenade aussi. Merde, écoute. La goal, cercle de pierre. Un peu late. C'est Zaggy qui joue la goal. On va pouvoir aller travailler ça derrière. Peut-être que je devrais remonter ici. Merci, Merdekos. J'ai bien niqué là. Alors, qu'est-ce que je vais teker maintenant avec mon Zulu? Je dois bien avoir roux. Roux, c'est un peu dur à aller chercher. Un sel ici. Et il faut que prochain tour, on soit sur cette case pour la Liang. Ouais. Ouais. On va en faire un petit. Ce stack 75 prod Mexico derrière. Ok, est-ce que y a Zankyung qui est passé? Non, il va sûrement refuser, etc. On va pouvoir peut-être le jouer. J'espère qu'on a peut-être pas de petites dingues ici. Il y a des petites 2-2 ici, c'est cool pour le moment, mais on va continuer. On se fait ces casernes avec vétérance. On va enlever vétérance derrière. Parc activité. Au 4. Alors, bat. Ah, de toute façon. On va enlever ça, anywhere. Je vais refaire 2 colons derrière. Ah, j'ai pas fini de marcher. Hein. Je suis parti en Magnus interne, machin. J'ai une route ici à faire. On va aller prendre la Venta plus tard dans la game. Parce qu'on va pas tarder à faire des chevaux d'ailleurs.
Toulouse. C'est chez moi ça. On va chez la route. Prochain tour, on va l'acheter sur cette ville là. On a de l'habitation, on n'arrive pas gros. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va aller un peu plus loin avec toi. On pourrait aller peut-être là. Il y a Féo. Il y a Féo 3. Attends de Féo, hein. Je pourrais peut-être aller jusqu'à là, tu vois. De ce côté. Voilà, bim. C'est fait. On va se déplacer, on va se foutre là. On va attendre. Apprentissage, ok. On va peut-être attendre les cartes. Deux tours, trois tours. Bon, pour la plateforme co. 3,4, toi tu l'as donc prochain. J'aurais pu essayer de faire un truc avec ça, mais. Tant pis. On va essayer de refaire un colon du coup. 70, 68 de prod, c'est bien. Hein. La cap va manquer un peu d'habitation, de food. Posséder une mine, c'est une ressource. Je comprends pas. J'ai pourtant le. J'ai pourtant le fer. Hein. Ça devrait marcher. Hein. À la venta. Nique-toi. Apprentissage qu'on fait ça et là on vous les roue avec un petit moulin à eau. Prochain tour on a ça, on va pouvoir se chop le maïs et s'acheter la nouvelle route. Prochain tour, ok, on a un settle qui est dans les parages ici. Mexico, déclarer la guerre à Pablo. Bonjour Noxus, tu vas bien? Bonjour à vous tous. C'est un trigger, ça marche pas. Ah ouais, okay. La bite de chien, non? C'est ça qu'on dit. Oh. On a combien de fermes là? On a 3 fermes. Oh, la première. Couleur bleue. On est à 39. On est tour 39. 85 de prod. C'est bon, hein. C'est bon, hein. On est en train de bien settle. Il y a 1, 2, 3 colons qui sont en train de sortir. Ça va nous faire 7 villes. On est en ancestral, donc il y aura un bat à chaque fois. Et on va se finir ça et on va faire ça derrière. Ouais, je vais aller là. Hein.
Ouais, les deux cités tables là, ok. Route commerciale et théologie. Apprentissage qui est en train d'arriver. C'est pas facile de se concentrer pour faire les bons choix. Non plus suite d'activité dans la cape. C'est pas mal. On a combien? On a deux settlers qui se posent là ce tour-ci. Hop. On n'a pas besoin de colons là pour le moment. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais. De mal. Ok. 103 de prod. Oui, je fais des cosyards avec quelqu'un d'autre pour avoir de la prod. Le truc, j'ai une cible de sim. On a un peu de mal au niveau de la science. En désaccord avec vous. Et on va se foutre là avec lui. Moi, je pense. Hop, toi tu te fous là. J'ai toujours un colon à faire, effectivement. Deux colons ici, let's go. Slave, encore une cité état rouge. Écrivain illustre, moins facile. Prochain tour, on va pouvoir récupérer ça. Ça, c'est un peu dommage en vrai. Les deux campus, est-ce qu'on peut pas le chop le truc là? En 2, 3. De toute façon, il va falloir que je reparte sur Arbre Duo, sur Mercenaire, pour faire mon trigger de 2 étoiles, si j'en ai envie. J'ai bien envie de prendre la Venta, hein. Là, on se pose ici.
Bam. On va si loin. Je pense que c'est très bien. Un dernier colon là. La cape n'est pas... Non, la cape n'est pas... La cape Magnus. Je vais pas te rechopper un truc là. Dommage. Je vais te mettre un campus. Ah. Pas un écrivain, mais c'est quasi pareil. Lox, le petit parc urbain. 52. On avait bien envie de changer les cartes, je sais plus pourquoi. On a les colons, on a les bats. Les colons, on a les bats. En quoi je voulais changer? Je peux changer les bats, je peux enlever les bats là. Ouais, un petit job, pourquoi pas. Non, là on peut enlever les colons, ouais. Il commence à se faire quelques chevaux. Est-ce que c'est vraiment la Venta qu'on prend? Ah. En plus, il y en avait un, il était mi-ours. Merci Listo. Ça m'a fait faire classique, ça m'a fait faire les plus classiques possibles. J'espère que tu vas bien. On va se faire 2-3 chevaux. Ligue Diplo. Deuxième campus, on avait dit oui. Il est là, normalement c'est le prochain tour. Ou pas loin après. Ingénierie 2. On va aller chop ça. On a combien de villes? 3, 7, 8, 9, 10 avec ce prochain colon, 11 avec celui-là. Ok, je pense, hein. Là, je sais même pas trop où l'envoyer. Ici, il y a beaucoup de bois. Merde.
Allez. Ouais, on va pas trop se prendre la tête non plus, quoi. On t'en fera un là. On se met sur le miel? Ouais, pourquoi pas. Le sel ici, tout ça, ça m'a l'air d'être correct. Bientôt level 3 pour le scout. On va pouvoir commencer à faire une cata ou deux pour la venta. Imo. Ça a l'air d'être un mauvais choix. Ou bien le overlay, c'est un mode. C'est un mode. C'est pas grave. On va quand même t'en refaire un, je pense, parce qu'il y aura un moulin dans cette ville, à mon avis. Un 4 ici, ça me dérange pas. On va travailler ça. Et on va te mettre un moksha. Grande bibliothèque Zulu. C'est ça qui va se passer. Ouais. C'est sûr. Bon, on est à 12 de DF. On est tour 46. On est en train de sim comme d'habitude avec les civs militaires. Gaston, que fais-tu? Où es-tu? M'entends-tu? Alors, il y a toujours Hypatie. Ok, non, il peut Hypatie. 10 points. Bonjour. Bonjour SND. Tu trahis Babylone, tu manges bien. Ah ouais, mais c'est dur ça. Faire ça. Un ami de toujours. On se fait quoi? On se fait deux chevaux. On est en 56 sur 58 au niveau de l'âge d'or, donc on a vraiment pas de problème. Est-ce que. Oui. Ça sort le bat. Machu Picchu, évidemment. C'est nécessaire. C'est un plus 3, on prend. La vigne pour les ressources de luxe. Bon, 10 de pop, ça m'a l'air d'être coupé quand même.
Ouais, 6 de science, 9 de prod, commence à être difficile comme choix. Ingénieur militaire. Cinquante, 70, 137. On a des battes à sortir. On est en mag du Saint-Terne avec des routes. 3, 6, 9, 10, 11, 12 avec la Venta. Ah, la Venta, bon. On se chope ça pour la bouffe. Oh, un petit général dans le coin, là. Il est où mon général? Il est là. Ouais, on va le travailler, on va le travailler. Un petit bâton plus, ça me ferait pas de mal à mon avis ici. Et on va aller travailler notre truc ici, je pense. On a une route à acheter. Carte d'énergie, ça serait pas mal quand même. Hein. Meilleur stade de la game. Avec le Zool. Je dois bien avoir référence bientôt là. Toutes les villes. Je suis désolé. Désolé, je suis malade. Je vais bientôt mourir. J'en suis sur deux, les gars. Bon, regarde d'amour. Comment ça se passe, Aztec? Ça passe pas très bien. 12 sur 10. Comme quand ta mère sortait le soir. Quoi? Hein? Quoi on parle? Ah, la musique. Voyons, pardon. Gaston, il va mourir, Gaston, non. Excuse-moi, merci. Merci, Borka. T'as bien? T'es là depuis tout à l'heure ou pas? Non. Non, tu viens d'arriver. J'espère que tu vas bien, mon ami. On va se faire choper ça. Un petit chop. Non, on va juste ménager. J'étais que plus 5, hein. Bah ouais, il y a 4 cités top bleues, les gars, donc on va faire ça. Ouais, non, on va pas faire ça quand même. Petite route ici, hein. Pour avoir de la pop. Prochain tour, on touche les cartes. Sur construction, c'est pas terrible ça.
Par éducation. Déjà. Ça me saoule la venta là. Ouais, je chope ça derrière. Bon, on fait ça, on banne tout le monde. Non, attends, c'est con. Il n'y a plus que 3 cités tableaux. Il y en a une qui vient d'être prise. Nut. On va aller récupérer le coton derrière. On va changer une petite carte. 2 katas, c'est bien suffisant. Je me demande si on fait pas un moulin dans la B1. Je vois 1, 2, 3, 4. Pff, tellement de cases de plein. On va voir la quatrième route pour faire un médiéval qui va arriver. Ah, j'ai pas eu. Je l'ai pas eu quand même. Mais ça fait chier. C'est-à-dire qu'il y a le Gaulois, il est dans la game. J'ai pas grand chose à faire d'autre, moi. Non mais la Venta, putain, c'est... et pourtant c'est vraiment la Venta que j'ai besoin, quoi. Je vais bien avoir fort médiéval aussi. Au milieu. J'ai encore un bat. Je crois que j'ai encore un bat ou deux. Ainsi par là, ouais. On va réussir qu'on a ses têtes. Hein. Ah, j'ai oublié ici. 165 de prod. Eh bien, 278 de score, tour 50. On n'est pas à 300, mais bon. On n'est pas une 6 de 6, mais on doit pas être à 300. Et on a encore un settler ici. Est-ce qu'on n'aurait pas le dernier bat qui est sorti là? On a ici effectivement. Il serait un peu dur de le sortir, on attendra je pense. On va aménager tout plein. Passé, hein, qui ont Marco Polo et tout. Ouais. Je les ai vus.
m'épuise. Ça m'épuise. Je vais te faire ça, j'ai l'impression. Beaucoup de choses à faire, peu de temps pour réfléchir. On est passé à 196 rapidement là. J'ai un bat ici, un bat là, on va essayer de chop. Dommage pour avoir une bibliothèque. Un peu déçu. Belle place de Gouv. Voilà, université. On repart arbre du haut. J'ai pas mis une zone indus encore. On va déjà aller chercher armuré. On nous faut un bat là, hein, c'est sûr et certain. Ah mais la Venta quoi, non mais ça me trigger. Je vous jure, je suis là mais c'est pas... Belle aussi, ouais. Belle aussi, ouais. Le Gaulois a 46 de science. Tu as 19 techs qui sont... Ah ouais, mais putain, je suis loin. C'est bon. On va dire que c'est pas très très grave pour le moment. Ça m'étonne un peu, cependant. Prochain tour, là, je dors. Je repars sur un PN Brush, maintenant. Je pars sur un Exode, maintenant.
Ouais, je le dis à SND quand même, hein, que je suis pas là pour lui. Bonjour, bonjour à vous tous. Ah bah tiens, vous êtes pas mal quand même. Il est que 14h38, j'espère que vous allez bien. Mercenaire, alors, mais pourquoi mercenaire? Pourquoi faire? Pour avoir un petit peu de bonus en plus? J'attends ma cata là. Je préfère avoir le titre de gouffre d'abord, mais... On va skier, on va rager le Georgie. On va raser Curtis. Faut qu'on rase Curtis et que la Gaule ne fasse pas un genre de scientifique ou un truc comme ça. Je sais pas comment on va faire pour faire ça. Faudrait le backstab, mais il est plutôt parti. 132 de culture, c'est énorme en culture. Hey, qu'est-ce qu'on prend? On prend Exode ou pas nous? Vite, un avis dans le chat. Exode. Ou pas Exode, ou Painbrush. Ou un re-Painbrush. Libre pensée. Prink. Prink. Les plateformes commerciales sont ok, hein. Prink. J'y ai pensé, bon, vous m'avez... J'aime bien double Painbrush, moi. Ça dérange pas avec cette fille. J'ai des bons agency. Scale late game. Oui, oui, les armures et écoles, je suis complètement d'accord avec toi, mais... J'aime bien double pen brush, j'aime bien mettre un colisée avec cette fille. Parce que si t'es vraiment sur la courbe de culture que peuvent avoir les civs de sim, et étant donné que la méta est beaucoup moins axée culture en ce moment, oh lolo lolo lolo, je pense que tu peux leur faire très très mal avec le différentiel de culture que tu vas avoir et donc de bonus militaire que tu vas récupérer grâce aux Zoulous. Double coton, pourquoi pas. Je ne l'ai pas déjà fait par gauche, je pense qu'il a utilisé Imhotep dans la grande bibliothèque, le salaud. Mais le Colisée, j'ai pas checké. Il est déjà fait. Encore va te regarder les merveilles qu'il y a encore dans la game. C'est trop méta slave. On tue quelqu'un, on essaye de tuer la Georgie, je pense. Mais c'est pas sûr. Listo. On est les Zoulous, on sim. Tu vois ce que je veux dire? On a claqué un beau sim, hein. En vrai. C'est un land qui était pas simple. Et maintenant, on est en 182, 188 au niveau food prod. C'est bien. Painbrush pour Patrick, Painbrush pour Onyx. Libre pensée pour Miam. Ouais, un peu gêné ça. La dernière fois que j'ai mis ce titre de vidéo dans une vidéo YouTube, les mecs m'ont insulté parce que, en fait, j'ai juste Skyjug. Ouais, j'ai mis genre un truc genre Ottoman, push janissaire. Pff, tu me vois faire une scientifique et j'étais à 10 de militaire jusqu'au tour 80. Mais je voudrais bien. Dans l'idée, dans l'esprit, ça me tente de fou. Alors, double coton qui disait l'autre. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire, si les religions le permettent, c'est de faire une croisade. On n'a pas beaucoup de foi. Lui, bon, lui, on peut pas le croisader. L'ami cri en 50-28. Oh non, c'est Yousmip. Oh, je vais pas tuer Yousmip. Je ne vais pas tuer Yousmip. T'as 2 semaines pour faire un peu janissaire. Je fais une review derrière. 2 ans, plutôt. Non, ça me va. J'ai fait ma game Macédoine full war de l'année déjà. C'est le 3 janvier. Prochain, il y en a une autre. Ça ira très bien comme ça. Il me push mon campement, hein.
Y'a plus la musique. What the fuck. Ouais. Ok. On remet de la musique, parce que sans musique, la vie, c'est pas terrible. Sans musique, la vie, c'est nul. On se fait la petite tech qu'on a déjà requalifié. Oumgoulou, gouvlou. On est parti dessus. On a toujours les battes. On est sur chevalerie actuellement. Est-ce qu'on n'a pas un meilleur truc à mettre? Exploration tôt. Encore un petit archer à voir. Bon, mercenaire prochain. On va se faire tradition navale aussi. Service dépôt derrière. Et on va se mettre les trois émissaires dans les cités tableaux. Oublie la carte. On a une petite zone indus ici peut-être. Non, j'ai oublié les barates. Trop chiant. J'ai oublié ce bat là. En plus, ça fait plaisir, on va sûrement chop ça. Il y a le sel à récupérer aussi. Bon. Le bas de tri. Allez, peut-être. Bowling route commerciale, on pourra pas. Pour le bolos, on peut pas mettre le plus 18 là. Bon, ça va, ça va. Cavalier meurt pas. Cavalier meurt pas. Cavalier meurt pas. Non mais. Et moi je me fais raser une ville, tu vois, en CCC. Et avec 5 spades, personne n'a tapé. Non mais c'est dingue.
Ça se fout de ma gueule. C'est clair. Oh mais merde. Oh, moi, on m'en fout de ça. Mais merde. On aurait un autre bot à faire ici, en vrai. 1, 2, 3. Et un chop. Allez, les armureries partout. Anshan, route commerciale, artiste. Plus de chances d'avoir l'artiste sans théâtre que de route commerciale vers là-bas, j'imagine. Ah, je parle lunaire, ouais. What the fuck. Ah, des bats. On avait dit qu'il y avait un bat qui était ici. Enlever quand même les bats. Alors, qui c'est qui a fait la guerre à quoi? Grenade. Merde. À moi, ça. On a un petit peu de gold, soit pour la teinture ici, soit sur une nouvelle ressource de luxe. La virgule sur ta mare, normalement oui, mais elle est en 100-100 là. Plus chiant. Ouais, avec parcimonie ici. Oh, un très gratos. On va bien aller scouter tout son land à lui là. On parie de l'autre côté. Bon, bon, bon. Est-ce qu'on va sur école militaire ou pas? Non, je pense que je vais à Indus maintenant. En vrai. Ici on a besoin de quoi? On a besoin de ministère. De l'agence de renseignement. Vous êtes une civile militaire. 95% du temps vous êtes faite agence de renseignement. Trollez pas. Hein? On a vu hier les dingues. J'ai pas réussi à choisir là, tu vois. Ah mais c'est vrai qu'on était cavalier régiment. Du coup, comme on a pris une ville. Effectivement, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? On aurait besoin d'un peu de bat dans ces alentours là. Il y a beaucoup de chop à mettre. Là ça va. Là ça va pas trop. Pas trop là. Il nous faut notre ping à la 2, il nous faudrait notre Magnus 3.
Non, un petit trou de gouffre dans une hutte. Ça sent pas mal ça. Là, je devrais peut-être réfléchir. Arrêter le route interne. J'ai un truc qui a été récupéré, oui. Les activités. Je suis toujours là. Bon, on va pas faire les cartos, hein. Tactique militaire, on aurait pu le faire quand même. On a du salpette qui est ici. Il y a vraiment du bâtard fer. Du bâtard fer, une route à acheter. Je dois bien finir les 2-3 armureries à gauche à droite. Pourquoi personne n'a de science dans le lobby? Je sais pas trop, pourtant il y a Curtis, il y a SND, Hould n'est pas un mauvais joueur aussi de FFA. SND joue l'Aztec, un mauvais joueur. 25, 22, il y a 3 tags d'avance sur moi, hein, quand même, Catherine. Les. Ah, la peinture, j'ai oublié. Ouais, je pense que ça commence à être babé babé, peut-être babé là. Ou là-bas. Ouais, le Gaulois il va voir mieux. Hein. Normalement. Un peu de Babylone. On va faire sur les deux caps à mon avis. On va mettre les unités dans les villes pour faire gagner Omlige. Wallin, un impie, on pourra le faire. Écrivain illustre, prophète. Elle est presque là, ça nous. Un petit impie, on va pouvoir le faire assez rapidement derrière. Agence de renseignement, ça sera notre Pingala qui va être boosté. Là on est pas mal au niveau des personnages illustres, on n'a pas trop besoin de projeter je pense. On devrait, ouais. On va commencer à le faire. Ouais putain, c'est vrai qu'il y avait là. Ouais, j'ai mis un acte du calacon là. Tant pis.